Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus de brisage PA du jeudi. On l'a vu hier avec la cut de l'attentif qu'on a passé en PA. Il est l'heure de briser. On a un G plutôt bon hein, de base avec, comme on le souhaite toujours, les 17 dos pour pouvoir les passer à 20 sans problème. Les stats assez bien montées. On a moins d'esquive, moins de fuite, moins de raise. On devrait, je l'espère, ça se passe jamais bien les brisages, donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Et comme d'hab, on va essayer d'aller viser, je tourne ça juste après la vidéo exo, on va essayer d'aller viser du coup un G near perf. Voilà, je dis pas qu'on va essayer de se réserver du puits pour des tentats, vu que maintenant on a les runes de transcendance forcément. Donc bah c'est parti, on commence tout tranquillement, ouais, je pense par les raises. Et puis on va espérer voir ce petit PA sauter au plus vite, en attendant un G très correct. Et pour l'instant, on n'a aucun succès. Voilà, donc on va remonter ça, toujours le jeu du yo-yo, on connaît les crits. Ça c'est risqué. Ça c'est risqué les gars. Ok. On se fait, ouais je pense, une petite rachat. Yes, ok. Bon, yes, j'aurais préféré qu'elle passe en crit en même temps. Mais on va se satisfaire de ça. Du coup, on a du pouille là, non? Ouais, donc j'ai 3 de puits ici, avec ces deux lignes au-dessus. Oh, bon, je vais pas compter, j'imagine qu'il y a rien, ça se comprend, on connaît, voilà, voilà. Donc voilà, on a 3 avec l'arrachat, du coup ça fait qu'on est à 7 sur 100, donc on a 93 de puits pour l'instant. Donc je compte toujours dans l'ordre inverse, vous savez, avec du coup 7 sur 100. On va mettre quoi? Allez, donc là c'est compliqué. Là les gars, il faut faire les bons choix. Est-ce qu'on part direct sur l'over vita? Je pense que oui, parce que après ça va être relou. Donc, 7, 17, 17, 27, ok, ligne directement. Qui passe, ça fait moins 6 évidemment, yes. Lini, là, comment je la joue à votre avis? Est-ce que je la joue en rat ou en pas? Si je la joue en rat, en pas, ça va être compliqué de... Enfin, ça me mettra à 76, c'est pas terrible. Bon, vous savez quoi, on verra après. On va d'abord mettre le crit, ce qui va être lourd, les raises aussi vont être lourds, il y a la fado, il y a tout qui va être lourd. De toute façon, le choix, il est pas évident à faire, donc 37, 47, aïe aïe aïe. Je vais les aligner à 17, voilà c'est fait. Du coup on est à 52 déjà. 52 les gars. Aïe 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 aïe. Les petites repères. 58. 64. Ok. Yep, je pense que 64 là on met la pado hein. Et faut pas que ça troll parce que j'aurai pas beaucoup de choix de toute façon. Ok, 64, 79. Il me reste déjà que plus que 21. Il me manque 8 esquives et une belle rachat. Donc yep, compliqué. Et ligné aussi hein, qui est pas bonne. Ok, il me reste 11 à partir de là. Bon, le brisage, encore une fois, il est caca. Hein. C'est triste, mais bon. Ouais, Lini, là, ça m'embête un peu. Je sais pas comment je la joue. Donc, je rappelle qu'il me reste 11 de puits. 11 de puits, ça pourrait faire fuite et esquive. Mais bon, il me manque quand même beaucoup trop d'Ini. Hein. Ça ferait quand même pas très beau, je pense. Je sais pas trop quel choix faire, là. Hein. Je vais quand même mettre ça. De toute façon, là, il manquera dans tous les cas hein, des trucs principaux. Donc... voilà, génial. Le super brisage, bon, fuite ou uni, c'est pareil, c'est absolument nul. J'aurais pu mettre ligne avant, donc ben voilà, c'est nul. Hein. C'est nul, c'est dur le brisage PA, c'est vraiment dur. Et voilà, on parle des runes de transcendance, mais imaginez si en plus je devais derrière mettre des runes repères. Donc, voilà. La beauté, les gars. Allez, c'est l'heure d'enchaîner avec le petit PA, du coup. Et pas de PA. Yes, bon, ça fait plaisir, c'était un super brisage. Les brisages PA, ça marche jamais, c'est simple. Ça ne marche jamais. Du coup, bah, vous savez quoi? J'ai envie de vous faire un petit cadeau, parce que... Un petit cadeau, ne bougez pas. Alors, je m'en vais dans mon petit coffre prendre certaines runes qui va me manquer pour vous proposer ce petit bonus. Voilà, tranquillement. Attends, est-ce que j'ai tout? Je prends des runes, voilà, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui vont pas comprendre. Donc ça, c'est bon... Est-ce que vous avez deviné ce qui va se passer? Vous me le dites. Est-ce que vous avez deviné là? Est-ce que là maintenant vous savez ce qui va se passer? Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Donc, oui, nous allons face au magie quelque chose. On va encore briser un petit peu parce que voilà, on reste dans le thème. Regardez ce qu'on peut trouver maintenant en AG. Je trouve ça absolument ouf, vraiment. 14 millions 4. Voilà. 14 millions 4. On est sur un bouclier Stalag, 15% d'Oji.
Voilà, on se fait plaisir. On se fait plaisir, les gars. Dofus 2, maintenant, c'est un peu le défouloir. On s'amuse dessus. C'est notre bêta à nous. Voilà, je suis désolé, mais c'est un peu ça. Du coup, ben, on va se faire ce brisage PA. Et comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier, justement, avec la vidéo qui arrivera avec 10 tentats assez insane, si jamais j'arrive à valider un bon petit jet, on tentera quelque chose derrière. Même si je valide, genre, là, je pense qu'on fera des tentats repères. Ça fait longtemps qu'on l'a plus fait. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas besoin de staller comme ça. Si je valide un truc. Genre, effectivement, 1% ou 2%, ce serait insane. On tentera derrière PM, voire du coup PO si c'est du 2%. On le fera. No fake, on le fera. Du coup, alors, un brisage PO-Stala, comment ça se passe déjà? Je ne sais plus. On a un petit crit, génial. À tout moment, là, je passe la pafion en crit et j'arrête. Hein, je le revends. Non, c'est faux, ça ne passera pas en crit. On connaît. Du coup, ce qu'on espérait tout le temps, est-ce que. Quand on faisait ça en masse comme des débiles, hein, quand on perdait nos kamas là-dessus, c'est que le Dodi ne saute pas. Sinon. C'est pas bon du tout pour le brisage. Pour l'instant, c'est ok. Le PA, par contre, faut pas qu'il traîne autant. Ok, on a un premier Dodi qui s'est barré. Le PA, gros, il faut vraiment que tu bouges. Genre là, je refuse de voir un autre pourcent Dodi sauter. Nickel. Nickel, nickel. Je veux pas dire, oh, génial, c'est ouf. Nickel, c'est bien, c'est bien. Donc là, on va s'aligner sur un GPF sans problème a priori. On est à 6 ici. Et du coup, juste avant, on a récupéré 2. Donc on est à 4, les amigos. Donc on va partir premièrement sur ça. Voilà, donc on a 8. Là, ça s'aligne pour monter à 35. Donc toujours 8. 14. 20. 29. 32. Ok, une petite pafuie. Parfait. 32 toujours. Le Dodi. Oula, j'attends un peu trop peut-être pour le Dodi. Les amis. Aïe. 83. Valide-moi le GPR, faut moins 89. J'ai 11 de puits. Je peux même pas tenter 2 papuis. Donc là, tu passes, point barre. Ça ne passe pas. Il me reste 5 de puits. À tout moment, il y a un petit puits au-dessus. Ok, GPR. Bon, bah, c'est nul, hein. C'est légèrement décevant. Mais on. J'aurais voulu vous proposer des repères. Vous voyez que le brisage, je n'arrive pas à faire de brisage pêche. Je n'ai pas de chance. Après, c'est vrai que j'ai un peu tardé pour le Dodi, c'est vrai. J'ai un peu trop. J'avais un peu zappé le Dodi. Mais même, quoi. 3, 2 échecs, puis un neutre. Bon, bah, écoutez, les gars. On va le garder, on va quand même le considérer comme une tenta assez chère, hein, parce que ça, pour avoir du GPR sur Stalag, c'est quand même, je pense que ça se vend toujours dans les 10 millions, hein, au moins. Donc, bah écoutez, on retrouvera ce Stalag pour une tenta PA, juste pour vous montrer une autre tenta qu'il y aura dans la vidéo, justement. Elle est où? Je l'ai déjà teasé, hein, mais justement, sur notre Stalag, regardez. J'avais acheté ça pareil, genre, à combien? 12, 13, 14 millions pour 100 reste GPR. Là, les gars, ça s'achète pour mettre un PM. Voilà, on va se régaler cette vidéo. J'ai hâte de vous la proposer. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. J'essaie de rajouter un petit truc parce que voilà, c'est décevant. À chaque fois, j'arrive, je rate tout sur les brisages PA. C'est terrible. Je suis le noob des brisages PA. Bref, n'hésitez pas à liker. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!